T'as une rivière qui traverse les deux, là, qui est la rivière des Galets. Cette partie-ci dépend de la commune de Saint-Paul. Cette partie-là s'occupe de la commune de Côté. Vous proposez de circuler doucement sur ce rempart en descendant jusqu'à un lieu où il y a une zone de décollage de parapente. Ce qui va nous permettre de faire plusieurs arrêts pour des points de vue et voir également plusieurs milieux. Là, on est dans le milieu d'altitude avec les branles. Plus bas, on rentrait dans un milieu à tamarin. En roulant, on va parler des patrimoines, nature, culture, paysage. Et on va parler également de ce qui cause souci à ces patrimoines. Incendie. Il y a eu 2 incendies, donc on en verra les traces. Espèces exotiques envahissantes. Vous verrez qu'ici, il y a toutes les plantes qui poussent sont des plantes indigènes ou endémiques. Et depuis peu, des plantes d'ailleurs viennent. En français, c'est agent d'Europe. Et le nom créole, c'est Genet. Tout en sachant qu'il y a des Genets également en France. Et il y a le Genet. Et donc là, ce serait plutôt le Genet épineux et non le Genet non épineux. Tu retrouves la fleur qui forme une fleur de papillon, si tu veux. Et puis les petites graines qui ressemblent à des lentilles. Tu as 4 graines dans ces trucs-là, vous verrez donc cette capacité à se multiplier énorme. Le fun avec quelque chose d'un peu plus agréable. Donc on organise des chantiers. Donc voici un millepertuis. Donc ce millepertuis a une fleur jaune, donc on l'appelle fleur jaune. Puis la dame elle me dit jusqu'à quelle altitude elle pousse. Et là je réponds, c'est selon. Parce qu'en réalité, tu as 2 millepertuis. La fleur jaune des bas, qui arrive jusqu'à 1500 mètres d'altitude, et la fleur jaune des hauts. La fleur jaune des bas est une indigène. Indigène, c'est ça qu'on retrouve à Madagascar, dans d'autres pays, et ça arrive tout seul à la Réunion. Et dans la partie plus haute, c'est une fleur jaune endémique qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que la fleur jaune qui est arrivée dans l'île a connu une mutation et s'est transformée. Quand on regarde la fleur jaune, comme ça, moi on y voit plus. Si, ça fait des petites lignes. Parallèle, donc celui-là c'est des hauts. Et en bas, c'est comment alors? Au lieu d'être parallèle comme ça, il serait en épi. C'est des plantes qui sont les plus pionnières et qui arrivent à conquérir l'espace par rapport au système W vent, si tu veux, qui sont les champions. Elle, c'est une plante championne. Et tu verras qu'actuellement, dans les championnes, tu as les plantes indigènes endémiques comme celui-ci. Et tu verras également des plantes exotiques qui fonctionnent sur le même système, qui sont en train d'envahir tout. Ouais. C'était soit pour nettoyer le parquet. Ah ouais, c'est un excellent. C'est quand même... Ou soit pour faire mûrir les bananes. Quand tu as un régime de bananes, le régime de bananes, il est. Tu le cueilles vert. Et pour le faire mûrir, tu le couvres de brin gelé marron. Les acacias n'ont pas tous des épines, hein, mais tous les acacias ont une feuille pennée. Pennée, c'est comme un peigne, hein, c'est pas qu'être la peine. Hein. Donc voici la feuille juvénile, puis après, 2 petites peignes, et dont son nom latin, acacia hétérophylla, c'est-à-dire que la feuille est hétérophile, elle change. Et donc c'est un bois très solide, très chouette. Et il y en a 2 très semblables. Un
à Hawaï, qui est l'acacia quoi, dia. Et celui-ci. Ah oui. T'as celui-ci, le Foyapana, qui n'existait pas dans l'île il y a une trentaine d'années, qui s'est évadé d'un jardin. Et lui, pareil, c'est le système pissenlit. Hein. C'est le vent qui transporte ça partout. Il t'en trouve partout, partout, partout. Là, c'est sa famille des framboisiers. Hein. Mmh. Tu as un framboisier marron qu'on appelle la vigne marronne, parce que la feuille ressemble un peu à celle de la raisin. Ouais, et le fruit n'a rien de la framboise. Hein. Si. Ah bon? Si tu veux, c'est une petite baie rouge avec les trucs, mais c'est plein de filaments, c'est pas bon quoi. Non. Et lui, c'est notre ronce. Et c'est la ronce blanche. Et elle est indigène de la région. Elle donne un fruit. Elle donne un fruit, mais. Ma mission, c'était sensibilisation de la population. Oui. Ah oui?